Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Bon, eh bien, bonjour à tous, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour ce 4e épisode de notre aventure sur Resident Evil 4. J'espère que vous allez bien, que le dernier épisode vous a plu. Donc, un épisode assez mouvementé, puisqu'on s'est fighté contre une quarantaine, même plus de villageois qui n'étaient pas très très contents de nous voir. Et donc, on est toujours sur le chemin du retour vers le village, comme on peut le voir. Et donc, on a fait toute cette petite zone qui était en fait tout le chapitre 1, 2. Et donc, on a vu à la fin la cinématique avec le apparemment le grand gourou du village, donc le chef du village, qui est ce mec-là. Voilà, ce gros baraqué qui nous a déjà fait valser dans une armoire. Et donc lui, il nous a dit ouais, on a le même sang que lui apparemment. Bon, c'est pas très rassurant, hein. À mon avis ça doit être par rapport à ce qu'on nous a injecté dans le corps. Bon, c'est pas très cool, mais bon, j'espère que qu'on en saura un petit peu plus. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons nous rendre vers le village. Et on va d'abord retourner dans cette pièce, car dans la cinématique on a vu que ce mec-là, après nous avoir attrapé, il est parti dans cette pièce, et donc je crois qu'on peut le suivre, enfin qu'on peut y retourner, et normalement il y aurait une cinématique si mes souvenirs sont bons, donc on va faire ça tout de suite. Ok, bon, eh bien ça c'est de la cinématique. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, une femme en robe rouge. ça me rappelle quelque chose. Si vous avez déjà joué à des Resident Evil, eh bien vous savez peut-être de qui il s'agit. Une femme en robe rouge, ça me rappelle quelque chose. Ouais. Toi aussi tu la connais, Léon. Bon, donc on va continuer vers le village. Alors ça déjà. Ah, du soin. Une plante. Je vais juste regarder mon inventaire. Ouais, il est assez... comment dire... c'est un peu le bordel. Bon. Hop, on va ranger ça comme ça. Les poissons, je pense que je vais les utiliser par la suite pour me soigner. Ça. Hop, on recharge. Et qu'est-ce qui se cache dans cette petite maison? On va fouiller un petit peu la zone. Un tableau. Ce tableau doit représenter l'église. J'espère qu'Ashley va bien. Oui, donc apparemment on doit aller dans une église. Donc à mon avis ça doit être après le village. Bon. Là ici, cette pièce. Oh là! Eh oh! Qu'est-ce qu'il fait lui là dans les toilettes? Eh, t'es fou toi! Mais il est fou! Ils doivent aussi aller aux toilettes, on dirait des gens civilisés, oui.
Oula, il m'a fait un petit peu peur, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Faut aller où? Ouais, mais bon, Léon, t'as l'air un petit peu stupide à dire des trucs comme ça. On va sauvegarder. Bien sûr que c'est des gens civilisés. Enfin, autrefois. Maintenant, on sait pas trop comment ils sont. Ce tableau représente un lac. Un lac, ça me dit quelque chose, ça. Ouh, s'il faudrait aller sur un lac, ça. Bon. Une grenade incendiaire. Ah, par contre, là, mon. Y a pas d'objet ici, non? Là, ici. De l'argent. Mon. Mon inventaire, il sera un petit peu plein avec mes poissons. Mais bon, en même temps, vu le soin qu'on a, vaut mieux quand même les garder. Là, ici. Un œuf. Pourquoi pas? Un œuf, pourquoi pas? Il me semble que ça peut nous soigner, donc bon. Oh non. Ah non, non, non. Vous voyez ce que je vois là-bas? Regardez. Oh mon Dieu. Non. Attendez, on va la voir comme ça. Ah. Balancer une grenade incendiaire. Lui, voilà, c'est fait. Ouh. Un rubis, waouh! Merci. C'est bien ça, un rubis. Bon, alors on a utilisé pas mal de munitions de fusée à pompe. On n'en a plus qu'une seule. Ah non, on en a deux. On va reprendre le pistolet. Là, pour le coup, j'ai bien fait de balancer la grenade incendiaire, même si j'aurais peut-être dû la garder, mais bon. Ça, c'est pas trop grave. Je pense qu'on va en retrouver par la suite. On va regarder un petit peu la carte pour voir s'il n'y a pas d'objet ici. Non, c'est bon. Enfin, s'il n'y a pas de trésor plutôt. Je regarde quand même, on sait jamais. Dans les arbres, il peut y avoir des trucs dans les arbres. Non, 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 non. Bon, je prends mon temps un petit peu. Bon, ok. Ah, si, là-bas. Ok. Je parle de sauce et de compagnie. C'est même pas ce qu'ils disent. Je parle pas espagnol, moi. Désolé. Attendez, alors le rubis. On va d'abord regarder ça. Trois orifices dans lesquels un objet peut être inséré. Le rubis, je ne pense pas. On va regarder c'est quoi le rubis. Grosse pierre précieuse. Combinée. Avec ça, non. Avec ça, non. Bon, le rubis, à mon avis, je pense qu'on peut le. Eh. Par terre, voilà. Le rubis, donc je pense qu'on peut le revendre comme ça. Allez, crève toi. Voilà. Tu donnes rien. Ok. Là, ici. Oh, une plante rouge. On va tout de suite la combiner avec une plante verte. Voilà. Ce serait bien qu'on trouve une plante jaune aussi. Ça serait très pratique. Un folastero! Ouais, mais alors eux.
Attendez, on va balancer ça. Voilà. Ah mais ils sont toujours pas morts. Voilà, j'aurais peut-être dû balancer ma grenade, bah la grosse grenade. Bon, c'est pas trop grave. Mais ça, je préfère les garder vraiment s'il y a encore plusieurs ennemis. Je pense que dans le village, ça va être un petit peu plus dur. Je pense qu'il y aura beaucoup d'ennemis, je sais pas. Enfin, en fait, je sais pas, mais on verra bien. Alors, il se cache quoi derrière cette porte? Oh là là, il y a plein d'ennemis. Ah ouais, donc nous, on doit aller ici. Ok. Attendez, je vais juste regarder si pas de nouveaux objets. Enfin oui, en fait, si. Ouah, attendez. Alors j'utilise beaucoup de munitions de... J'utilise beaucoup de munitions de fusée à pompe. Mais bon, c'est assez pratique quand il y a beaucoup d'ennemis. Attendez, il y a encore de la musique là. Ça me plaît pas trop. On a plus beaucoup de munitions de pistolet aussi. On va recharger un petit peu nos armes. Et à cette musique stressante, c'est chiant. Ils sont où tous là? Où ça? Y'a la musique mais je les vois pas. Juste pour lui? Attendez, vous êtes sérieux là? Juste pour lui? Bon, lui on va l'avoir avec notre petit pistolet. Toi là-bas. Ouais, voilà. Et... die. Et pourquoi il y a la musique stressante encore? Bah. Youhou. Youhou. Y'a quelqu'un? Plus personne, on dirait. Attendez, c'est bizarre ça. Comme fouiller dans les maisons, s'il y aurait pas des nouveaux. De nouveau les. Ah, il est là! Ah non! Ah voilà! Pouf! On va manger notre poisson. Lequel? Ah, on va manger le gros parce que là. Eh B! Re tout le monde! Bon, j'ai eu un petit problème. Le jeu a crashé. Bon, c'est pas trop grave. Du coup, j'ai dû recommencer à partir de la sauvegarde dans la maison. Donc, bon, j'ai plus beaucoup de munitions de fusil à pompe, j'en ai que 3. Et bon, par contre, en termes de munitions de pistolet, on a largement de quoi faire. Donc, je pense qu'on va utiliser principalement le pistolet.
Parce que là, sinon, c'est pas possible. On va manger le petit poisson, voilà. Et on va se diriger donc vers ici. Impossible de l'ouvrir. Oui. Donc, on va mettre la clé. Et on va l'ouvrir. Alors, il se cache quoi derrière? Un point de sauvegarde, ok. Donc déjà, on va prendre les munitions. Ça, on va casser. Mais, bien évidemment, il n'y a rien, sinon c'est trop facile. On va sauvegarder. Voilà. Et donc... On va regarder un petit peu la carte. Donc nous, on est là, on doit aller jusque là. Oh, mais le prochain point de sauvegarde, il est... Ah ouais, il est tout là-bas. Je pense pas qu'on va aller jusque là. Vous savez quoi, je pense qu'on va continuer un petit peu jusque la zone en rouge là. Et alors là-bas il y a un marchand. On va continuer jusqu'au marchand. Et je pense qu'après on va revenir en arrière. Enfin, je reviendrai en arrière juste pour sauvegarder. Et ouais, je pense qu'on va faire ça. Bon, alors là, des munitions de TMP. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait l'acheter, la TMP. Bon, on va garder ça. On va garder ça pour quand on l'aura. Une spinelle, ok. Attendez, ça, on va le ranger. Et ici, voilà. Bon. Donc, on va descendre. Alors, il y a quoi ici? Ici, c'est pas très accueillant non plus. Un long tunnel. La musique est pas très rassurante. On va tirer dedans. Allez, ça donne rien. Ah, mais du coup, ouais, on peut voir les spinels. Ah, je pense que c'est des spinels. Spinel. Y'a rien d'autre là? C'est là-bas, y'a une spinelle. Ouh, non, c'est pas une spinelle ça. Coiffure élégante. Oh, coiffure élégante. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, de l'argent. On va regarder un petit peu le trésor. Coiffure élégante, c'est quoi? Examiner, oui, je vais examiner. La pierre précieuse sertie dans cette coiffure élégante, enfin un objet unique au monde. D'accord, mais est-ce que ça se combine? Non. Bon, alors je pense qu'on peut garder. Enfin, on peut la revendre. Ça, bien évidemment, on la garde. Ça, on la garde aussi. Et ça, ben... Ça, on garde. Enfin non, on revend. On va revendre tout ça, ok. Pas louper un trésor, je regarde quand même si j'ai pas loupé un truc. Non, j'ai tout. Et il y en a là-bas, ok. Bon, on va aller voir le marchand. Le marchand qui est reconnaissable avec sa flamme bleue. Got something that might interest you. Got a selection of... Alors, étranger, ça a marché avec les médaillons bleus? N'oublie pas que tu dois tirer sur 10 médaillons ou plus pour obtenir une arme spéciale. Oui, t'inquiète. Ne t'inquiète pas. Alors déjà, on va revendre. Coiffure élégante. On va revendre. Montre goussée. On va le revendre aussi. Le rubis. Le rubis, on va vendre aussi. Et nos spinels, on va revendre aussi. Alors là, on a beaucoup d'argent. Que va-t-on acheter? Tu vois avec sa TMP? Ah, il a que ça. Tu n'as que ça. TMP. J'ai pas envie de l'acheter maintenant, la TMP. On va pas l'acheter tout de suite, la TMP. On va garder un petit peu
On va regarder un petit peu. Et là ici, bon, on va peut-être optimiser un peu. Qu'est-ce qu'on va optimiser? Attendez, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Le fusil à pompe, on va optimiser un petit peu. Même si je pense qu'on aura un meilleur fusil à pompe par la suite. What are you buying? Fusil à pompe. On va améliorer la contenance. Is that all? Comme ça, on a des balles gratuites, il me semble. Et c'est bien, on va pas augmenter plus. Le pistolet. Je vais bientôt le revendre. Mais bon, on va quand même optimiser un petit peu. On va optimiser la contenance. Voilà. Thank you. Et la cadence de tir. Voilà. Je pense que ça sera bien. Et le fusil. Bon, le fusil. Je pense qu'on aura un meilleur par la suite, mais on va quand même l'améliorer. Voilà. Thank you. La puissance de feu, non. Non, c'est bien. Voilà. Come back anytime. Voilà. Je pense que là, ça sera bon. Et bon, on va continuer un petit peu, juste pour voir ce qu'il y a derrière. On va juste voir ce qu'il y a derrière et je pense qu'après on va se laisser. Ah. Ok. Bonjour. Une grenade, merci. Où sommes-nous? Ah, je pense qu'on est aussi au cimetière. Donc la zone où il y a les médaillons bleus. Ensuite. Ouais, ça ressemble à un cimetière, ça. Et donc là-bas, l'église. Ok, on voit les médaillons bleus. On va pas continuer plus loin parce que le prochain point de sauvegarde est quand même assez loin. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc la prochaine fois nous visiterons ce cimetière. Et ouais, on fera ça. Je pense que ça sera bien. Enfin, j'espère. On aura tout ça à visiter. Ouh, ça fera un... Je pense que le prochain épisode sera un long épisode. Pour compenser un petit peu, puisque lui il sera vraiment plus court que les autres. Ouais, ok. Pas très rassurant le cimetière. Plus court que les autres, mais bon, je pense que ça sera bien comme ça. Bon, bien, on va s'arrêter là. Et donc moi, de mon côté, je retournerai un petit peu en arrière pour aller sauvegarder. Et donc la prochaine fois, nous nous retrouverons ici pour visiter tout ça, aller dans le cimetière, voir si on pourra, sauver Ashley. Hop, une mission. Sauver Ashley. Je sais pas si on va l'avoir dans, on va la retrouver dans le prochain épisode, mais bon, on verra bien. Et donc d'ici là, j'espère que vous allez bien vous porter, parce que ça serait un petit peu dommage de rater tout ce qui va se passer. Oui, je sais, je fais un petit peu n'importe quoi avec mon pistolet. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Allez, ciao tout le monde.